En fait, l'Amérique est formatée. Pas mal, pas mal. C'est une triste réalité. On va essayer d'être un petit peu plus heureux pour l'épisode du vendredi qu'on commence maintenant. D'ailleurs. Comment ça? Tu me trouves... Mais non, 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 mais non, mais on parle pas fataliste, mais tu sais, comme c'est pas le fun, la réalité qu'on vit à Montréal, tu sais, de justement cette ville qui ne drive que sur les voitures, qui ne roule que justement sur les voitures, puis effectivement, c'est une bonne option qu'on pourrait avoir, puis juste qu'il y a pas personne qui a l'audace politique de pouvoir faire ça. Ouais, mais là, on a une mairesse qui vient de l'Abitibi, on va tout remplacer ça par des skidoo, ça va être malade. Ah ouais? Ouais. Je pense que ouais. Skidoo électrique, ça serait malade. Montréal en skidoo, tout le monde. Les tramways comme à San Francisco. Ouais, ben écoute, ils pensent vouloir le ramener, ce serait cool. On va justement commencer le vendredi là-dessus. Bonjour, bon matin, bonsoir, bienvenue au Petit Bonheur, cette émission où est-ce qu'on parle de toutes sortes de sujets entre amis, en bonne bière, en bonne compagnie. Votre modérateur, votre hôte, votre animateur se nomme Chuck, je suis Chuck, et je suis épaulé de mes collaborateurs et de notre invité, Frank Grenier, merci d'être là. Salut. Merci d'être là depuis tout le week-end, de toute la semaine, c'est fun. Merci d'être là. Je suis avec notre sorteuse nationale, Vanessa. La bouche remplie de ritons, allô? Allô? Et de notre sidekick national, Nick, avec la belle... Salut Chuck. Coupe de cheveux qui fait frémir les demoiselles, mais tu l'as pas parce que t'as ta tuque. T'as l'air de Nico Archambault présentement. Je gère ma tuque. C'est correct. Je moule mes cheveux pour toute cette semaine de travail qui s'en vient au Salon de l'Auto de Toronto. Oui, c'est vrai. Je devrais me peigner tous les jours. Oui. Tu vas bien, tu vas bien. Ouais. À chaque jour, je lance des sujets au hasard. On en parle pendant 10 minutes, les deux derniers sujets aujourd'hui. Une spécialité que juste un endroit détient le secret. Pardon? Je sais que je l'ai vraiment mal. Tu as-tu écrit en anglais? Ben une spécialité que seul un endroit détient le secret. Le sujet m'est venu en fait quand je suis allé à Paris. Je sais, je comprends. Je sais que c'est weird comment je l'ai formulé. Une spécialité que seul un endroit détient le secret. Dans quel salon de massage t'as été, Chuck? Écoute. C'est tu sais le gars avec le nom à l'envers qui a écrit ça? Je sais pas qui a fait. J'ai la dyslexie. Je suis allé à Paris. Et puis, je me suis rendu compte sur le bord des routes que tu sais, ils vendaient de la bouffe ici et là dans des petites casse-croûtes, ça comme ça. Et je me rends compte que j'ai acheté un espèce de petit sandwich jambon-beurre qui m'a coûté 2 €. Okay? Et c'était le meilleur sandwich jambon-beurre au monde. Okay? Les sandwichs jambon-beurre qu'on a ici qui coûtent 23 $ à côté pas ce que j'ai mangé là-bas et qui coûtait juste 2 € parce que là-bas, ils sont trop spécialisés. Ils font le meilleur jambon, ils font les meilleures baguettes, évidemment. Le beurre est fait d'une certaine manière, c'est fou. Et tu dis, Colin, c'est juste là que je pourrais trouver le secret de ce. Les sandwichs jambon-beurre, c'est vraiment juste à Paris que tu peux en trouver. Ben, probablement aussi en France, là, ailleurs. Là. Il y a du monde qui nous écoute qui dit, non, c'est à Marseille. Puis c'est correct, j'imagine. Mais est-ce que vous connaissez une spécialité dans une certaine région, dans un certain endroit? Tu dis, il y a rien qui égalise ce que je consomme là à cet endroit-là. Il n'y a pas d'autre endroit qui est capable d'égaliser ça. Ben ouais. Frank Grenier va peut-être pouvoir le dire. Je trouvais ça drôle parce que l'autre fois, il nous a dit qu'on recevait Frank Grenier. Ben, voilà. San Francisco, ça roule, là. Mais t'as tellement une carrière internationale que t'es venu de produire à Val d'Or. Et je sais pas si tu te rappelles, mais on reçoit nos humoristes avec un stuff à mouche fait maison. OK. Qui vient de l'Abitibi parce que, écoute, on a développé notre expertise. Ça doit être imbattable. Ton stuff à mouche, le stuff à mouche de l'Abitibi, ça doit être. C'est quoi fait maison? Il n'y a rien qui survit à ça. Ah, ben, je ne sais pas exactement ce qu'ils mettent dedans, mais c'est l'organisation du festival de l'Abitibi, je crois qu'il fait sur place, là, puis qu'il l'offre aux invités. Santé Canada ne l'accepte pas dans ses... C'est quelque chose c'est trop nocif. Exactement. Ouais, ça. Mais ça tue des mouches. Écoute. Des mouches noires, là, grosses de même. Là, c'est, ils tombent. Ils tombent. Hein. Ils tombent. C'est fait que c'est le stop à mouches de l'Abitibi. Ouais. Fait que là, le petit off, tu regardes ça pis tu ris, là. Ça fait comme un signe niaiserie, ben c'est pas de la cannelle, ça. C'est de la cannelle, ben, hey, on met ça dans nos desserts, là. Ben oui, du off, mangez ça, vous autres. En... Ah, mais écoute, en Abitibi, ils mangent ça, c'est remplacé à Tabasco, regarde. C'est ça qui se passe. Y a-t-il d'autres des endroits où est-ce que tu fais comme juste là, tu sais. Comme maintenant, la meilleure poutine, tu fais comme, non, c'est pas, c'est juste là que c'est la meilleure poutine, tu sais. Une spécialité, ça peut être un objet, ça peut être comme, c'est juste là que ça se fait. Mais là, 2-3 ans où, dans le festival, juste pour rire, il y avait des food trucks, tu sais, on commençait la mode des food trucks. Il y a un food truck qui faisait un sandwich au pain de viande. OK. J'ai jamais mangé ça de ma vie à part là. Je pense que j'en ai mangé 8 dans la semaine. Es-tu sérieux? Et j'ai pu jamais retrouver ce food truck là, je sais même plus s'il existe encore. Ah oh, ouais. Puis je me réveille la nuit d'info, je fais pain de viande. Ah oh, ouais. Puis je le cherche, mais comme je sais pas s'il nous écoute en ce moment. Écoute, on est j'habite on espère. Au Oui, non. Viens de parker devant chez nous, on va mettre tes enfants à l'université. Mais c'est
Le pire là-dedans, c'est que je suis sûr qu'il y a du monde, il y a des auditeurs, auditrices qui peut-être connaissent ce food truck-là ou en fait cette spécialité-là du sandwich au pain de viande. Je me souviens plus du nom, mais c'était tellement bon. Ah, ça doit être écœurant. À chaque fois que je passais devant, je viens de souper, je m'en vais manger encore. Ouais. Ah, j'ai le temps pareil. Puis j'aimais, c'était vraiment bon. Wow. C'est là, j'ai vraiment le goût d'un sandwich au pain de viande. Là, je suis triste, là. Quand on va mettre une petite musique, c'est correct, ça va bien aller. Exactement, ça va bien aller. Mais non, sincèrement, est-ce que Nick, t'as quelque chose en tête qui... Ça me vient pas vraiment des spécialités régionales, j'en connais pas tant que ça. En Thaïlande, j'ai mangé du curry thaïlandais, fait par une personne locale et non pas, ben c'était tous les locaux là-bas, mais je veux dire, c'était pas un grand restaurant où il y a un code puis une façon de fonctionner, là. C'était une petite place avec des mouches puis une TV noir et blanc qui marche pas. OK. Puis c'était excellent, mais c'était pas joli comme dans un autre restaurant, mais c'était vraiment très très bon pour quelque chose qui a passé à journée au soleil, là. C'était vraiment, vraiment bon. sinon, t'as parlé de sandwich, puis ça vient de me faire penser la poutine de bière au menu à Bois des Filions, la soirée ex juste pour rire que j'ai fait, ben que je fais encore là, que je vais recommencer en mai à travailler dessus. Mais ils font une poutine au porc effiloché, puis moi j'ai complètement raté ça, l'affaire du porc effiloché. C'est dans une époque de pauvreté où ma blonde faisait très bien à manger. je mangeais pas au restaurant, j'ai un peu manqué ça, puis là quand c'est devenu mainstream, j'ai fait comme j'entendais tout le monde dire hey, la mode est passée là, comme si de la nourriture pouvait se passer de mode là, c'est un peu absurde. Mais ben c'est le fait qu'il y a du porc effiloché chez Subway, soit que je comprends là, qu'on a fait le tour. Mais... Ouais, effectivement. Mais la poutine au porc effiloché, c'est pas le porc lui-même qui est débile, c'est la sauce. Mais c'est toujours la sauce. Mais je me baignerais dedans. Là. Mais je peux imaginer. Écœurant, là, pour vrai. Mais justement, la poutine du lobby bar. Ah. La poutine au poulet indien? Ah oui, la poulet au beurre. Poulet au beurre. Poutine poulet au beurre du lobby bar. Ben, en fait, qui est du sandou à côté, là, ouais. Sur Papineau. Ah, ouais, ouais, ouais. Ah, t'es 40. Ouais. Ah, t'es 40. Ouais, ouais. J'en ai tellement mangé que j'étais plus capable. Je me suis un peu écœuré, mais pour vrai. Ah, est folle. Débile. Mais, justement, parlant de poutine, j'avais essayé une place qui s'appelle Le Petit Creux, qui est dans le. Un peu à côté du parc La Fontaine. Ils font une poutine antillaise, qui est avec des bananes platan. C'est vraiment plantain, platin, pour que j'ai... On avait compris. Bon, et c'est une poutine complètement débile et je la comprends pas. Et juste à côté, t'as la banquise, puis je suis comme non. Vraiment, où est-ce que ça se passe, c'est là, où le Petit Creux, en fait. En fait, c'est plus proche du Café Campus. Le Petit Creux, c'est un petit endroit, un petit resto. Il y a, écoute, tu peux rentrer apparemment, peut-être juste comme 4-5 personnes maximum, et après ça, c'est plein, là. Non, on pourrait peut-être enregistrer là. On pourrait. Le petit bonheur au Petit Creux. Justement, j'ai enregistré un podcast qui s'appelle Le Petit Creux là-bas. Exactement. Puis ça se passe au Petit Creux. Ouais. Le Petit Creux. Mais c'est ça. Ah, vous parlez de poutine, mettons, au porc effiloché, puis poulet au beurre, c'est la mode. Moi, j'ai des goûts de base dans la vie. Je suis plate même. J'envie les gens qui essayent tout. Moi, j'ai des goûts de base. Et quand t'as des goûts de base, il y a personne qui fait de la cuisine goût de base comme le Miami Deli. Oh, oui. Je suis un abonné régulier. C'est tellement bon. C'est juste comme, regarde, on fait de la bouffe simple et bonne. Moi, je trippe big time. Tout est bon. Et sauf, j'ai un petit problème avec les pancakes. Les pancakes sont pas super, selon moi. Moi, j'en mange juste à livraison. C'est bien rare, je me fais livrer des pancakes, là. Oh, non, mais tu manges au resto, là, puis quand tu vas là, tu commandes pas les pancakes. Ce sont pas, les crêpes sont bonnes. Ils font des bonnes crêpes, mais ils font pas des bonnes pancakes. Mais ça a l'air d'être un mélange. C'est pas une tradition. C'est pas une tradition. C'était deux affaires, là. C'est deux affaires, Frank. Bon, voyons donc. Chocolate. Pancakes et crêpes, c'est deux mondes. C'est comme, mange les hamburgers, mais pas les hamburgers. C'est la même autre affaire. Non, justement, c'est comme t'as le hamburger gourmet pis t'as le hamburger, tu sais. C'est deux affaires. Ambigueur. Tu l'as pas fâché, les gars, je te donne. Ambigueur. Ah, ça mérite le poisson. As-tu essayé la petite salade jardinière avec la sauce rose? Oh oui, je pense que la sauce ouais. rose, je sais pas ce qu'il y a dedans, je vais peut-être pas le savoir, mais t'es carré. Ouais, c'est très bon. Ouais, ça fait un très bon repas. Avec la pizza, généralement, il vient avec la petite salade. Deuxième et dernier sujet. Choix à faire. Lunettes ou verre de contact? ça finit sur une espèce d'affaire très. Non, mais je suis arrivé tantôt, il cherchait un sujet, puis. Ça arrive que le caliste, ce sujet-là, j'ai failli perdre mes lunettes cette semaine, puis. En fait, je les ai perdues, mais je les ai retrouvées. Mais ouais, c'est ça. Mais t'as pas de verre de contact? Non, j'ai une très bonne vue. Moi, comme je dis, pas de lunettes, c'est comme, tu sais, quand tu pars Netflix. Ouais. Qui est comme en SD, puis à un moment donné, il vient beau. C'est comme quand je mets mes lunettes. C'est ça la différence. Tes lunettes sont décoratives.
C'est comme les Dudley Boys dans la lutte. Mais sont pas décoratifs parce que si je porte pas mes lunettes, je vais fatiguer à 10 heures le soir, là, j'ai les nerfs optiques, j'ai des pinces à linge sur les nerfs optiques. C'est vraiment ça le feeling que ça fait là. Ça fatigue beaucoup, ça joue avec mon humeur. Mais pour lire à l'ordi, mais sinon pour voir loin, j'ai pas besoin de lunettes. T'sais, je peux conduire sans problème, mais si j'en porte pas pendant plus que 2-3 jours là, ça devient très irritant. Ouais. Mais verre de contact, je peux pas en mettre parce que je suis pas capable à cause du réflexe. Puis chirurgie au laser, ben je ma vue est trop bonne. Genre. Ouais. La dernière fois que j'ai demandé à l'optométriste, j'ai dit ça se ferait-tu? Puis c'est comme ça vaudrait pas la peine. Tu sais, la chirurgie la moins chère, c'est la moins précise que tu aurais besoin. Il a fallu que tu en aurais besoin d'une de précision. Puis là, ben ça vaut pas la peine. Tu vas pas payer 2000$ pour avoir une vue parfaite alors que t'es pas loin d'en avoir une. C'est ce qui se passe. Fait que moi, je me garde ça pour plus tard. Peut-être un jour, la technologie va continuer à évoluer. Ben oui, peut-être que je vais avoir des yeux bioniques. Mais je pense que oui. Dans 15-20 ans, là, j'imagine ma vue va chuter vers l'âge de 50 ans. À un moment donné, ça va baisser. Mm-hmm. Mais là, j'étais à moins 0.50, moins 0.75. Genre, c'est absolument ridicule. Tu pourrais mettre mes lunettes pour ah, j'en suis sûr que tu vas essayer maintenant à radio. Ah oui, là, oui, on fait. C'est ça. Allez, on fait un stand. Il essaye mes lunettes live. Vas-y, fais c'est malade, ils le font. Ils le font pour vrai. C'est des tout petites lunettes de petite tête, moi. Je vais t'avouer que j'ai un petit peu de misère. Mais faut que tu regardes loin, là. Tu vois-tu les lignes de ma main d'ici? Ouais, je vais le lire. C'est une valeur que vous voyez pas parce que c'était cœur, hein, ce qui se passe. C'est weird, c'est, hein, wow. Weird avec ça, sur la tête. Faut être là. Ouais. C'est organisé par Michael Bay, tout explose. Ils ont l'air tout petits dans sa face. Ben, on dirait une caricature d'Alex Lévesque. Je dois t'avouer que je lis mal, comme ça, avec ça. Ouais. Okay. Ouais, probablement. Mais c'est pas si pire. Non, c'est pas si pire. Non. C'est juste que là, tu vois plus rien pour la prochaine heure avec tes vrais. Je suis complètement flou, évidemment. Je peux pas croire qu'on a vécu ça. On est allé. On l'a vécu. Une fois que tu te lèves le matin, tu sais pas ce qui va se passer dans la journée, puis bang, bon, ça. La journée fofolle du vendredi, hein, c'est ça qui se passe dans ce temps-là. Maintenant que je suis la seule personne qui a pu répondre, les gens sans lunettes, qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Oh my god. Non, c'est sûr que moi, si j'avais apporté les lunettes, j'essaierais en premier les verres de contact. Puis bon, ben pourquoi? Ben j'imagine le côté de plus pratique de rien avoir sur la tête. Tu dis plus pratique d'enlever ce verre de contact avant d'aller se coucher, de les mettre dans un petit liquide. Tu dois enlever tes lunettes quand tu vas aller coucher, tu dois les laver sauf aussi. Sauf que je les donne n'importe où, je suis pas obligé d'aller me réveiller aux toilettes à mettre de l'eau dans la face. Je vais t'avouer que ça serait pas un problème pour moi d'aller comme d'entretenir mes verres de contact à tous les soirs, aller les mettre dans mon avant de me coucher. Moi j'aurais pas de problème avec ça. Tu sais, je suis conscient de ce que ça prend pour puis le temps que tu dois investir qui doit être un peu plus, tu dois mettre un peu plus de temps que des lunettes normales, mais c'est ça, après ça t'as pas à tu peux faire ça sans problème, t'as ta tête puis y a rien que t'accroches puis c'est ça qui se passe. Puis ça, j'aime ça faire ça tous les jours. Oh, c'est vraiment weird ce que j'aime faire, mais c'est ça. Non, mais c'est ce que des fois, tu sais, je bouge beaucoup aussi. Fait que, tu sais, j'ai accroché mes lunettes. C'est vrai. Ça n'a pas de bon sens. Je t'ai soigné dans le fleuve. Un peu maniéré. Fait que c'est ça qui se passe. C'est comme, fait que je l'accrocherais. Un peu maniéré. C'est comme ça que tu te décris. Mais pas maniéré. Mais je bouge. Fait expressif. Expressif des bras, là. C'est weird ce que je dis là. Maniérer, c'est pas avoir des bonnes manières. On dit ça des homosexuels à certaines époques. Ok, je suis pas maniérer. Je suis pas maniérer, mais je bouge les bras, puis c'est ça. Puis je sens que je vais accrocher mes lunettes tout le temps. C'est comme, je peux pas avoir de montre. Je peux pas avoir de montre parce que. Ça casserait, là. C'est ça, au bout de deux semaines, j'accroche un mur, puis là, il y a plein de peinture dessus où littéralement elle est brisée. Parce que c'est ça, je sais pas pourquoi mes bras, je suis. Mais ceux qui écoutent Le Petit Bonheur depuis longtemps ont entendu je sais pas combien de tapes dans le micro de Chuck. Absolument. Absolument. Et on a remédié à ça parce qu'on apaise le son. On apaise le son beaucoup, là, mais. On t'attache un bras dans le dos maintenant. C'est les. Les tocs, ils se sentent. Mais justement, est-ce que t'as des lunettes? Est-ce que vous avez des lunettes? Qu'est-ce que vous faites avec vos lunettes? Ben, moi, j'ai des lunettes. Ah! Ouais! Ben oui, t'en as. Parce que j'ai décidé que si je me mettais un doigt en quelque part, ce serait pas dans un œil. Oh! Je veux rien savoir de ça. Merci, Lily. Non, mais quoi dire ça, après ça? Ça serait où? Ouais, je suis plus trop concentré, là. Note là pour la semaine prochaine. Le doigt irait où? Question du lundi.
Ben oui, c'est vendredi. Ben, c'est ça, les foufous. On ne voit pas souvent avec des lunettes, tu les portes pas? Non, parce que c'est pour de proche, donc de lire tout ce qui est écran. Mais je suis très, très aveugle, en fait. Comme une bibliothécaire. Ben, tout à fait. Puis j'ai été bibliothécaire, puis je trouvais que, justement, ça nourrissait beaucoup trop de fantasmes. Donc, Ouais. Mais plus ça va, plus que mon avant-bras est pas assez long pour lire sans lunettes. Okay. Je suis rendue avec la presbytie, puis ça me rappelle mon âge, puis ça me fait chier. Fait que dans ce temps-là, je les mets, puis on passe à autre chose. Ouais. Toi, Franck? Ben moi aussi, j'avais des lunettes et ça faisait bibliothèque sexy. Là, ça dérangeait les gens, fait que j'ai comme arrêté. J'ai le même problème. Mais moi, j'ai eu les lasers dans les yeux. Parce que vers le contact, ça marche pas. Je me défends un peu comme Nick disait aussi, l'espèce de réflexe. Je suis pas capable. Même mon optométriste était pas capable de m'y mettre tellement mes yeux veulent rien savoir. Et les lunettes, j'ai cassé tout le temps. Ah ouais? Je joue au hockey, je joue au baseball, je joue au football. Même quand j'étais plus jeune, on jouait à la lutte avec mes chums la fin de semaine, la lutte WWF, là. Pas les autres types de lutte. Père rentre, fait qu'est-ce que tu fais? C'était magnifique. On fait des mots de lutte. Et là, j'ai pété mes lunettes non-stop, où j'achetais une version. Elles sont belles, ces lunettes-là, puis ils rouillaient ses côtés. En tout cas, c'était pas une des belles expériences. Puis j'ai investi dans un laser à un moment donné, puis c'est la meilleure décision que j'ai faite. Vrai? C'est une belle expérience. Oui. Dans le sens qu'il y en a que non. Ouais. Sauf que moi, tout a été parfait. J'ai plus jamais de lunettes, plus de verre de contact. Tout va super bien. Ah, OK. C'est rassurant. Sur scène, est-ce que ça a changé ton allure? Un peu, j'ai moins l'air d'un comptable. On me décrivait, j'ai l'air d'un comptable. Oui, quand j'ai Google mappé ton nom, je voyais encore des photos avec toi. Avec Google Map. Tu m'as Google mappé. Je t'ai trouvé sur Google Map. J'étais dans le salon chez vous avec des lunettes. C'est le seul humoriste visible de l'espace. T'as amené stalker à un autre niveau, Chuck. J'ai Google photographié. J'ai trouvé des photos de toi quand t'étais plus jeune et t'avais des lunettes. Puis c'est vrai que. En effet, t'avais l'air d'un contact, un comptable un peu. Ouais. Fait que c'est bon de savoir que t'aimes, que c'est une belle expérience, puis que finalement que c'est un bon move de ta part. Parce que c'est ça. Si moi, je pense que aussi j'opterais pour la chirurgie au laser si j'avais besoin de mettre des lunettes ou des verres de contact. Je sais que ça coûte cher, ça, mais c'est un investissement. C'est un investissement, c'est ça. C'est à long terme. Des lunettes aussi, ça coûte cher. Moi, ouais, c'est ça. C'est à long terme. C'est vraiment à long terme que tu fais. C'est ça. Il y a des gens qui s'en changent de lunettes souvent. Mettons, tu changes 3 fois en 10 ans, là. Ça coûte cher. Des lunettes, à moins que tu les achètes sur les lunettes à rabais. Mais là, tu vas faire des tests de la vue aussi. Tu vois, c'est beaucoup c'est du temps. C'est pas tant que ça, mais c'est quand même une fois de temps en temps, tu vas à l'optométriste, tu payes ça, tu payes les verres, tu payes la monture, tu choisis. Il y a des gens qui ont peur de ça aussi. Moi, ça c'est quelque chose qui me stresserait vraiment, vraiment beaucoup, le stress au laser. Mais moi, c'était drôle au début parce que j'ai dit, en passant, moi, mes yeux se défendent pour le laser de tout. Il a fait pas de trouble. Il m'a juste pris l'œil, il me l'a tapé là. Là, j'étais les deux yeux grands ouverts. Ok, c'est pas la première fois que tu fais ça, mon chum. Il en a eu 5 avant toi dans la même journée. Le gars, je pense qu'il donne les profils des docteurs qui le font. Puis je pense qu'il. Je me souviens plus, c'était à quel point, mais il avait comme fait 10 000 dans sa carrière. Ah, mais là, j'étais pas son premier. Fait qu'ils savent ce qu'ils font, tout. Mais ce qui m'a fait vraiment rire, ça, c'est vrai, le gars qui m'a opéré avait des lunettes. Ah, ouais. Hein? Puis là, j'étais couché dans la table. Vous avez des lunettes? Il dit, ouais, moi, je suis pas un candidat. Propice à ça, à cause oui, de la parce qu'il faut que tu passes un profil, ça. Ouais. Mais là, je faisais des jokes sur scène avec ça, de le docteur, comme t'as des lunettes, les gars. Ben oui, c'est un laser dans les yeux, je ferais pas ça. Installez-vous, on va le faire. Ben oui. Dentiste avec les dents pourries. Ouais, c'est ça, mais. Ouais. Le coach de gym qui est gros as fuck, tu fais, merde, c'est ça, ça marche entraîne-toi, pas. Entraîne-toi, entraîne-toi. Le provoque en même temps, t'es sur le treadmill. Ben là, c'est ce qui termine, en fait, le show. On finit avec des lasers. On finit avec des lasers, c'est pas plein. Piu-piu. Piu-piu. Je voudrais remercier mes collaborateurs et notre invité qui avait été là cette semaine. Merci, Frank, d'avoir été là. C'est un plaisir. Très belle semaine. Merci d'avoir reçu. Pour vrai, merci beaucoup. Est-ce que y a un endroit où est-ce que les gens peuvent te rejoindre, te contacter, te parler, peu importe où? De Google Maps. Ben, je suis souvent au La Fleur, coin Ontario de Lerimier. Ça, le poutine hot dog à 79 cents, j'aime bien ça. C'est excellent. Ça. Sinon, si vous êtes plus traditionnel, sur Facebook, on peut me trouver Frank Grenier. Tout simple. Ou Instagram, je pense que c'est Frank Top House. Frank Top House. Nom américain, Frank Top House. Tout à fait. Ben oui, parce que c'est ça. Tu fais tes gigs à San Francisco. Voilà, c'est ça. Exact. Ben donc, écoute, c'est excellent. Ben oui, tout à fait. Merci. C'est Vanessa, où est-ce qu'on peut te rejoindre? Twitter, Instagram. Oui. À Commercial de la Sorteuse. Same de même. Et Facebook. Ouais. Vanessa Chandonnet, ben ouais. Ouais, t'es plus là que jamais. Ah ouais, c'est le cas de le dire. Excellent, excellent. Merci. Et puis Nick? Sur Facebook, Nick Provo. Oui.
Le seul, l'unique, l'original, la fraîche odeur de citron. Ça fait, merci, des, ça fait merci. Des semaines qu'il me coupe. Fait que merci. Je t'ai laissé. Mais c'est important. C'est important. Il fallait le faire. C'est bon. On fait ça, une continuité. Sinon, sur Instagram, Mr. Nick Provo, oui. Où est-ce que je mets mes photos de shows d'humour auxquels je participe ou sur lesquels je travaille. Oui. Ou peut même te rejoindre, en fait, te reconnaître des fois quand tu fais des soirées d'humour. Mais c'est plus oui, à cause de ta voix. Mais c'est ça. Soirées d'humour. Oui, ça à cause de ta voix. J'ai signé un autographe d'ailleurs. On en reparle. Oui. Puis sinon, j'ai mon propre podcast. Ah, c'est un podcast, c'est podcasteur, Nick. C'est quoi podcast? Ça s'appelle Mashup sur Relish Moutarde. Oui, je parle des mashups, ces chansons qui mêlent des acapellas, des instrumentaux de chansons qui se connaissaient pas avant, puis là je leur fais serrer la main ensemble puis ils se connaissent. Ouais. C'est pas moi qui ai fait les mashups là, c'est les artisans professionnels. Puis vous pouvez trouver ça sur iTunes, sinon sur Balado Québec, hein, qui est une belle place pour trouver tous les podcasts québécois francophones en majorité. Oui, 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 c'est une maudite belle plateforme. Ouais. Vraiment, c'est super bien fait, puis au lieu d'aller ailleurs sur des places comme Podbean puis tout ça, encouragez donc le Québec. Eh oui, eh oui. BaladoQuébec.ca. .ca, voilà. Ça. Merci beaucoup. Moi, personnellement, Charles Chuck Thompson sur Facebook. Sinon, Chuck is Chuck sur Instagram. Et il y a quatre endroits pour nous rejoindre pour le petit bonheur. Premièrement, iTunes. Laissez-nous 5 étoiles, ça nous fait vraiment plaisir. À chaque lundi, on vous remercie énormément. On remercie toujours quelqu'un qui nous laisse un commentaire, qui laisse un 5 étoiles. Ça nous aide énormément dans le référencement avec les autres podcasts d'humour. Après ça, Twitter, le P Bonheur. Si vous êtes sur Twitter, ça prend un petit 5 secondes et vous avez toutes les mises à jour des derniers épisodes qui sortent. Et on en sort 5 par semaine, ça tombe bien. Et YouTube, justement, si vous voulez écouter l'épisode sur YouTube, Le Petit Bonheur, vous tapez Le Petit Bonheur sur YouTube, aussi simple que ça. Il y a le logo LPB qui sort après 4 tunes de Félix Leclerc, c'est simple de même. Le Petit Bonheur Podcast, ça sort. Oui, ben sur Google, littéralement, Le Petit Bonheur Podcast, tout est là. Ouais. Et finalement, l'endroit où est-ce que tout se passe, les photos, les mises à jour, les liens, ça se passe où, Nick? Facebook. Pourquoi? On l'a du temps, toi. Parce que c'est bien fait. Ah, c'est parce que c'est bien. Ah, il est content. Ah, sacré, je suis content. Je suis niaiseux. Mais merci beaucoup, Nick. Merci, Vanessa. Merci, Frank. C'était le petit bonheur d'aujourd'hui. On se rejoint au lundi prochain. Pour un autre. Très petit bonheur. Bye bye. Mon doigt.